Linux, Manjaro Mate 18. Point quelque chose. 18.0.1. Donc, je pars bien de Linux Manjaro Mate. Donc, la démo sur VirtualBox. Alors, petit souci, éventuellement, petite demande, si quelqu'un connaît et éventuellement sait, parce qu'apparemment, sous Manjaro Mate, eh bien, je n'arrive pas à changer le curseur de la souris. Alors, j'ai téléchargé des thèmes. Mais voyez-vous, sur Linux Manjaro XFCE, aucun problème. Ça tourne, on va dire, pratiquement comme une horloge. Je mets une petite parenthèse parce que je n'ai pas tout testé. Mais voilà, je ne m'en plains pas. C'est celle que j'ai sur un disque dur. Je m'en sers de temps en temps pour me faire la main. Et je vous rappelle que je ne suis pas un pro à Linux. Voilà, et je n'ai jamais dit que j'étais un pro à Linux. Voilà. Donc, mais par contre, je sais faire quand même quelque chose et je vois clair. Voilà, pour répondre éventuellement aux commentaires. On va dire indésirables. Donc, avant de lancer des commentaires indésirables, on se renseigne déjà et voilà, ça sera déjà bien. On fonce pas comme ça, tête baissée. Bref, c'est pas le but. Donc, j'ai téléchargé des thèmes, souris, curseur. Donc, normalement, sous Linux, Manjaro XFCE, bah, logiquement et dans la logique, on va sur souris. Voilà, et ici, on voit curseur quelque part et on peut changer le curseur. Là, il n'y a absolument rien, rien, rien. Walou, ma cache. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas comment qu'on fait pour changer les thèmes du curseur, voilà, du pointeur, curseur, voilà, ce que vous voyez là, là, la flèche de la souris. Donc, j'ai bien téléchargé. Je vais vous le prouver. Hop. Donc, apparemment, c'est les mêmes qu'il y a sous Manjaro XFCE. Donc, ici, j'ai même pas besoin d'aller sur catégorie. Je vais directement ici, je lance la recherche. Et là, je tape curseur. Alors, on ne met pas d'S à curseur parce qu'apparemment, quand vous mettez un S, eh bien, ça trouve beaucoup moins. Là, je n'ai pas mis d'S, vous voyez, il me sort. Bah, ils sont déjà installés, vous voyez, hop, c'est en bleu. Donc, bah, pour vous le prouver, si je fais un clic droit, voilà, il me demande de désinstaller. Normal, puisqu'il s'est déjà installé. Donc, il y a là plein de thèmes, j'ai téléchargé. Bah, c'est les mêmes sur Linux Manjaro XFCE. Donc là, je suis sur Manjaro Mate. Mais apparemment, là, ça merdouille. Donc, ça ne veut pas. Donc, je l'ai téléchargé, mais. Désolé, Manjaro Mate, je les ai téléchargés, mais désolé pour ta version, je ne peux pas les installer. Alors, désolé, hein. Bon. Voilà, et quand vous recherchez, vous mettez bien curseur sans S, vous voyez? Parce que si je mets un S, hop, voilà, il m'en trouve deux. Bon, il faut enlever le S. Bon, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est encore un bug? Je ne sais pas. Éventuellement, vous mettez curseur thème, voilà. Mais bon, voilà. C'est vous qui choisissez, curseur thème ou. Voilà, parce qu'en général, c'est curseur thème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, j'en ai 16. Si j'enlève le mot thème, ici, là, je me retrouve avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Bon, voilà, il y en a un de plus. Bon, que je vérifie bien. Voilà, curseur thème. Vous voyez, c'est marqué bien curseur thème. Hein. Alors, ne vous trompez pas. Ça, par exemple, je ne sais pas si c'est un curseur. Voilà. Réseau White. Bon, c'est possible que c'est un curseur. Mais voyez, comme il n'y a pas marqué thème, curseur thème, là, ben on se demande qu'est-ce que c'est. Il est vrai que des fois sur Linux, ça laisse un peu à désirer. Hein. Voilà. Des fois, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Pourtant, il y a marqué X curseur. Voilà. Mais il n'y a pas marqué thème. Donc, voilà. Bon, je vais l'installer quand même. On verra bien. Ça ne coûte rien. Là, pareil, ça, ce n'est pas un curseur. Là, c'est marqué Create. Anne, bon, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont oublié le D, End, je ne sais pas, Cursor, File from PNG Image, voilà, ça ce n'est pas un thème curseur, donc ne vous confondez pas. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous, ne cochez pas comme ça tout bêtement, faut bien regarder, parce que des fois ça n'a rien à voir, des fois ça peut être un complément, un paquetage, je sais pas quoi là, je pense que c'est un paquet, pour compléter un logiciel, pour créer des machins PNG, etc. Donc ça n'a rien à voir. Voilà. Bref, voilà, vous avez vu, donc ils sont téléchargés. Voilà. Mais le problème, c'est que voilà, je n'arrive pas. Alors, je vais dans. Bah, normalement, c'est dans. On va dire préférence, peut-être. Si je vais dans préférence. Là, souris. Vous voyez, je ne peux rien faire. Ok. Voilà. Bah, qu'est-ce que je fais? Rien. Je ne peux rien faire. Voilà. On a simplement gaucher, droitier, etc. Bon, bref, voilà. Bon, je sais pas si c'est un peu de la daube ou alors c'est moi qui m'y prends mal. En tout cas, ça fonctionne très bien sur Manjaro XFCE. Solution que je vous recommande. Et aussi pour les débutants, parce que, tout simplement, comme je vous le dis, ce n'est pas du Windows, Linux, mais voilà.
Il y a le menu démarrer en bas à gauche comme sur Windows, même si elle est ici pour celle-ci, pour le Manjaro Mat, mais voyez, il y a des bugs. J'appelle ça un bug. Et voilà, donc préférez Linux Manjaro XFCE. Voilà. C'est comme je vous dis, c'est pas de Windows, mais voilà, on s'y croirait presque. Voilà, mais en bas à gauche, on a le menu démarrer. Voilà, avec tout ce qu'il faut. On peut pas trop se perdre parce que voilà, c'est bien détaillé ici, Internet, jeux, etc. Des fois, ça fait penser un peu à Windows quand même, pour ceux qui sont, voilà. Mis à part ici, il y a marqué favorite, voilà. Et aussi dans Linux Manjaro XFCE, c'est marqué que je dise pas de bêtises. Non, je ne crois pas, je ne sais plus. Bref, là, vous voyez, c'est marqué favorite au lieu d'être marqué favori, voilà. Favorite, bon, ça fait un peu anglais. Alors, tout n'est pas traduit à 100% en français. Ça, je vous l'ai déjà dit. Ça va beaucoup mieux sur Linux XFCE. Mais après, comme je vous dis, voilà, je mets une petite parenthèse aussi sur XFCE parce que je n'ai pas tout regardé. Hein. Mais voilà, je trouve qu'elle est nettement mieux que celle-ci. Alors, et ben, éventuellement, si quelqu'un a la solution pour Mat, voilà, 18 machin, pour mettre la souris, changer les thèmes curseurs, parce que là, eh bien, je ne vois pas, ou bah ben, ça ne marche pas, tout simplement, ou on ne peut pas. Donc voilà. Et merci si vous avez la solution. Et j'en profite donc pour vous dire à ceux qui, bon voilà, on va dire ceux qui débutent sur Linux, il faut aussi regarder de mettre à jour le noyau. Alors pourquoi ça ne se met pas à jour automatiquement ou on ne voit pas ça dans les mises à jour, tout au moins sur Linux Manjaro. Je ne vais pas généraliser tout ça parce que je n'ai pas essayé toutes les distributions. Donc sur Linux par exemple Manjaro, que ce soit Mat ou quoi que ce soit, s'il y a un noyau qui est à mettre à jour, vous allez avoir une notification. Voilà, en général, il y a une fenêtre qui vient vers le haut là, qui est marqué mettre à jour le noyau. Et là, à ce moment-là, je ne sais plus si quand vous cliquez dessus, ça vous met le lien. En tout cas, vous allez avoir ici, là, en bas, là, ici, vers là, par là, de ce côté-là, vous allez avoir comme un espèce de carré vert. Voilà, un carré vert qui est le signe, le logo de Manjaro. Voilà, c'est du noir avec du vert. Voilà, c'est un carré noir avec des traits verts. Voilà. Je ne sais pas si je peux vous le montrer là. Bref, voilà, il y a un carré noir avec du vert. Vous cliquez dessus, clic gauche normalement, et là, vous mettez un noyau. Il y a marqué noyau. Et là, il y a une fenêtre qui se met. Ici, alors je peux pas vous le faire voir parce que là, je crois que j'ai mis, je sais plus, sur celle-ci, parce que j'ai tellement de machines virtuelles que des fois je sais plus. En tout cas, il y a un carré, vous cliquez dessus, vous cliquez sur noyau, et là il y a une fenêtre. Et vous allez tout en haut, et normalement, bah, c'est le tout en haut. Donc normalement, ce serait le noyau, je sais plus lequel. Bref, c'est tout en haut de la fenêtre. Il y a marqué, et à droite de cette ligne où il y a marqué le noyau, il y a marqué installé. Donc vous ne trompez pas, c'est bah, le noyau le plus récent. Hein. Il y a des numéros. Donc bien entendu, vous prenez le numéro le plus grand. Si c'est 18-20, bah, vous mettez 18-20. Si c'est voilà, le plus grand, par exemple. Et donc sur la ligne où il y a marqué le noyau le plus récent, bah, vous cliquez sur télécharger. Installer, pardon. Installer. Et vous installez. Et ça va installer le noyau. Voilà, il faut le mettre à jour. Mais comme je vous dis, pourquoi ça ne se met pas dans les mises à jour classiques? On n'a pas ici une notification comme quoi, bah, ici, là, voilà, comme ça. Comme s'il y avait des mises à jour là. Je ne sais pas. C'est voilà. Et je ne sais pas pourquoi ça ne se met pas à jour tout seul. Là-dessus, je ne pourrais pas vous dire. Je ne suis pas assez calé sur Linux pour ça. Donc je ne vais pas vous dire de conneries. En tout cas, ce qui m'étonne, c'est que ce n'est pas dans ici. Il faut cliquer sur le carré. Bon, bah, c'est comme ça. Donc voilà, en plus, pour ceux qui débutent éventuellement, faites-le. Si vous voyez le noyau, ici, un message, faites-le. Voilà, ce sera mieux. Peut-être que ça va corriger éventuellement les bugs. C'est possible. Après, je ne sais pas parce que voilà, je ne suis pas celui qui a fait programmation, etc. Voilà.